L'aboutissement d'une synchronisation parfaite. Alexia, 14 ans, s'adapte à chaque mouvement, à chaque souffle de son cheval pour réussir son saut d'obstacle. Une performance qui exige 5 heures d'entraînement par semaine. Je fais du cheval depuis que j'ai 2 ans. Mon rêve, c'est d'aller au plus haut, intégrer l'équipe de France et sauter au plus haut. Peut-être, j'espère un jour aller aux Olympiques. Les passionnés s'inscrivent très jeunes dans des centres équestres, mais Marion et Alexia ont surtout choisi ce lieu pour leur entraîneur. Allez, bien droite, mets tes mains droites, descends bien dans le fond de ta selle. C'est le sélectionneur de France, enfin des children et des juniors. Et puis, c'est un super coach. C'est vraiment intéressant de travailler avec lui, donc... Et le frère d'Olivier Bost n'est autre que Roger Yves Bost, qui représente la France aux Jeux Olympiques. Tous les grands cavaliers aujourd'hui s'adaptent aux chevaux qu'ils montent. Ils peuvent en monter 10 des différents et chaque fois ils s'adaptent au cheval. L'idée, c'est vraiment on doit s'adapter au cheval qu'on monte. C'est ça le talent. L'équitation, une histoire de famille chez les Bost. Sa fille Margot vise elle aussi les JO en 2024. Troisième sport national, on compte près de 700 000 cavaliers licenciés.